En soi, tu vois, c'est pas... Tu vois, pour moi, ici, c'est comme le monde extérieur. Tu vois, c'est un monde de brut, ouais. Où tout le monde cherche à se piétiner les uns les autres, ouais. À se la faire à l'envers, machin, très peu de sincérité, machin. Et puis, t'as une ou deux personnes, ouais. De ton entourage sur qui tu peux compter, qui sont sincères, tu vois. Bah voilà, bah moi, pour moi, si c'est pareil. Ouais, et Daniel, tu vois, il faisait partie de personnes qui étaient sincères avec moi, qui faisaient passer le jeu, moi, avant le jeu. Ouais. Qui n'utilisait pas les choses qu'il savait sur moi et qui n'utilisait pas mes faiblesses contre moi, même quand on s'embrouillait. Et voilà, et ça m'a perturbée de le perdre parce que je me suis dit, bah, je me retrouve dans la fosse au crocodile, sans personne sur qui pouvoir me reposer, sans tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que ça a été horrible et j'ai perdu un repère. Et encore, tu vois, lui, il a été vraiment sincère, parce que moi, je reste convaincue qu'il me manipule sur certaines choses, quoi. Non, non. Par contre, là, il y a un truc que tu peux pas enlever à Geoff. C'est que t'es quelqu'un d'important pour lui. Ça, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Autant je suis d'accord sur plein de choses avec toi, autant on tombe tout le temps d'accord. Ouais, bien sûr. Autant ouais. Là, je suis pas d'accord. Je sais que tu es une personne importante pour lui et qu'il a énormément d'estime pour toi et que, voilà, que t'es une personne élémentaire pour lui dans ce jeu. Enfin... importante pour lui dans ce jeu. Ouais. Et après, je sais pas la nature des sentiments exactement, mais en tout cas, t'es importante pour lui, c'est tout ce que je peux dire. Ça, on peut pas lui enlever. Ça, je suis pas d'accord. Puis, tu sais... Tu verras bien à la sortie, de toute façon, tu peux pas dire ouais, on va ah, jouer ouais, un truc, c'est clair. Et puis Daniel, il a pas les mêmes envies que moi. Que toi, bah oui. Ouais. C'est clair. Après... Peut-être après, que je suis pas à quelques... Enfin... Quelques temps près. Ouais, mais bon, ça commence comme ça et puis au final, tu tombes folle amoureuse et folle amoureux, puis tu peux plus t'en séparer. Puis tu regardes et tu te dis, bah merde, quoi. En tout cas, hier, il m'a touchée, vraiment. C'est bien. Il m'a vraiment touchée. Il était beau, il était attendrissant, il était touchant. Il avait l'air sincère, même si moi, je vois le mal partout et que je vois le vice partout. Ouais, mais c'est normal. Il avait l'air sincère. Il est dehors, il est pumped up tonight, tu vois. On verra bien.